Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur Zéronet TV. Et oui, j'ai pas la tête habituelle, c'est tout à fait normal. On épingle aussi un concert de Daft Punk. C'est un 01 live hebdo, vous l'avez compris, un peu exceptionnel puisque nous allons parler de... Et oui, de réalité virtuelle. Dans un instant, on va vous expliquer où on est et pourquoi on va vous parler de réalité virtuelle ce soir. On va évoquer aussi le 3, grand rendez-vous dédié aux jeux vidéo depuis Los Angeles avec les annonces Microsoft, Sony. On ira du côté du labo avec Jean-Sébastien Zanqui qui est avec nous et avec lui on s'intéressera au nouveau Xperia X mais aussi au OnePlus 3 qui est une véritable bombe en termes de smartphone et puis on terminera avec un casque Bose du plus bel effet. Soyez les bienvenus, c'est parti pour Zéro la Bédo. Salut à tous et bienvenue sur 01 Live Hebdo pour ce rendez-vous hebdomadaire. Je te félicite François parce que faire le sommaire sans rien voir finalement, ouais. C'était pas mal. C'était pas mal. Bien joué. Oui, ça va, je suis pas trop décoiffé, non? Non, c'est formidable. Avec moi en général, il n'y a pas trop de problèmes de ce niveau-là. Bon, on va vous dire où on est. Oui. Parce qu'on n'est pas dans nos studios habituels, vous l'avez vu, vous l'avez compris. Mais nous sommes à Paris, nous sommes en fait sur le parvis de la Bibliothèque Nationale de France. Où il y a un événement exceptionnel, François. Et oui, pendant quelques jours, jusqu'à dimanche, ici même, une partie de ce parvis a été privatisée par Samsung pour nous faire découvrir des sensations de parc d'attraction sans finalement monter dans un vrai manège. C'est ça qui est incroyable. Exactement. L'attraction, c'est en réalité le smartphone et la réalité virtuelle. Mais ça va vous permettre de plonger dans des tas d'attractions, tu l'as dit, au point qu'on peut se poser la question, à terme, un jour, la réalité virtuelle remplacera-t-elle les parcs d'attractions? Ça tombe bien, c'est la question 01 Live Orange du jour. Alors allez-y. Voilà, pour voter, une seule adresse, www.01nettv.com. Donnez-nous votre avis, est-ce que la réalité virtuelle va remplacer les parcs d'attractions? Et puis on va vous décrire ce qu'on a fait ici. Oui, alors je ne sais pas si Jean-David peut nous montrer les images, c'est quand même assez impressionnant. Tout à l'heure, on a été vraiment, mais pas du tout ridicule, Jérôme, on est d'accord. Pas hein, du tout. On était superbes. Et puis, donc on était installés tranquillement. Et là, on était sur un roller coaster. Voilà, pour l'instant, ça va. Jérôme, tu avais l'air bien. Hein. J'étais un peu stressé quand même. Oui. J'étais un peu tendu, ouais, je l'avoue. C'est ça. Là, tu regardais, je sais pas quoi. Oui, je sais que tu regardais ta voisine. Ah hein. Oui, j'avais une jolie voisine, voilà. Mais je voulais voir aussi ce qu'il y avait derrière. Puis j'avais un peu peur de ce qu'il y avait devant. Voilà, Jean-Sébastien aussi, qui est méconnaissable avec sa barbe, bien sûr. Et voilà. Non, c'est vraiment impressionnant et on a l'impression de vivre des sensations de vrai parc d'attractions. Hein. Et donc, il y a plusieurs thèmes ici. Voilà. Il y a la musique, il y a un côté un peu zen aussi. Puis donc, roller coaster. Il y a une attraction de surf, ouais. Il y a une attraction de voyage, il y a une attraction de zombies. Oui, ils ont décliné vraiment les choses de manière... Pour tout vous dire, j'ai pas osé. Non, les zombies, moi, j'ai l'attraction zombie, j'ai eu trop peur, en fait. Nous avons un invité pour nous parler de tout ça. C'est Guillaume Berlemont, de Samsung, précisément. Bonjour. 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 Merci de nous accueillir chez vous pour ce 01 Live. Et puis, expliquez-nous un petit peu donc, quelle est la philosophie de ce parc d'attractions virtuel. Alors, la philosophie, elle est très très simple. Nous souhaitons accueillir dans ce S7 Life Changer Park un maximum de personnes pour pouvoir découvrir la réalité virtuelle. C'est encore nouveau, on en parle peut-être depuis longtemps, mais les produits vraiment grand public ne sont finalement disponibles que depuis quelques mois. Et il y a encore beaucoup de monde qui a besoin de voir... réellement, si je peux m'exprimer ainsi, ce qu'est la réalité virtuelle. En plus, vous avez tout ce qu'il faut hein, chez Samsung, c'est ça qui est bien. Vous avez le téléphone qui va bien, c'est pas le premier d'ailleurs. Alors là, on voit des démos avec le S7, mais le S6 permettait aussi de faire ça. Il y a aussi la petite caméra, hein, la Gear 360 qui permet de filmer en 360. Et puis le masque, bien sûr, que vous avez fabriqué en collaboration avec Oculus. Exactement, c'est tout un écosystème qui a été développé pour une solution qui est unique, qui rassemble à la fois simplicité et mobilité. Donc puisqu'on peut utiliser directement son smartphone avec une solution qui rajoutait le Gear VR pour 99 euros, rappelons-le, ce n'est pas une somme
folle pour pouvoir s'essayer à la réalité virtuelle. Oui, mais alors pour 99 euros, on n'a pas ce qu'on a ici. Parce que là, ah, il faut quand même dire qu'il y a un accessoire qui est indispensable. Il faut avoir un grand jardin quand même pour avoir ça. Hein, oui. Là, et puis surtout, il faut ce fameux fauteuil là, bon, qui n'est pas fabriqué par Samsung, j'imagine, mais qui est un équipement... En partenariat. En partenariat, d'accord. Tout à fait. Qui va procurer des sensations supplémentaires, donc les mouvements synchronisés avec l'image. Il y a même une petite soufflerie pour qu'on ait l'impression d'avoir du vent, du vent dans les cheveux. Ça, c'est pas encore complètement démocratisé, il faut l'avouer. Non, pas les sièges 4D. Oui. Mais là, c'est pour apporter la petite sensation supplémentaire événementielle pour ce lieu. En revanche, je peux vous garantir que les sensations, rien qu'avec le masque, sont déjà très réelles. Ah ben, on peut témoigner. Oui, on peut témoigner. Alors nous, on va être très, très, très honnête parce qu'on ne travaille pas chez Samsung. Allez-y. Donc, on va vous dire exactement ce qu'on en pense. C'est waouh. La qualité d'image nous a bien bluffé. C'est vrai. Alors franchement, parce qu'on l'a testé plusieurs fois et j'ai trouvé là, dans cette démo que la qualité d'image était encore meilleure qu'auparavant. On a une très bonne définition parce qu'on sait que c'est un peu le point faible aujourd'hui de tous ces masques de réalité virtuelle. C'est qu'on perd en définition parce qu'on va zoomer sur un écran de smartphone qui n'est qu'un écran de smartphone. Comment avez-vous réussi à avoir cette définition plutôt de bonne qualité? Tout simplement parce que les technologies évoluent et elles évoluent vite. Encore une fois, la réalité virtuelle, c'est finalement récent et désormais, on a des moyens pour pouvoir justement en procurer des sensations et des vidéos de meilleure qualité qu'il y a encore quelques semaines. Et puis l'écran est Quad HD aussi hein, du Galaxy S7, ce qui permet aussi d'avoir une meilleure définition. Hashtag Zéro en live, hein, je vous rappelle qu'on est en direct depuis le parvis de la Bibliothèque Nationale de France. Vous pouvez réagir avec nous, on lit vos tweets en temps réel. Hashtag Zéro en live si vous voulez réagir sur la réalité virtuelle justement. Alors Guillaume Berlemont, je vous pose la question qu'on pose aujourd'hui à nos internautes. Est-ce que ça pourrait remplacer les vrais parcs d'attractions? Parce que finalement c'est sans doute plus économique de mettre en place un roller coaster virtuel qu'un vrai roller coaster. Alors, nous ne gérons pas encore nous-mêmes de parc d'attractions, bien qu'il y en ait un effectivement en Corée dans le giron de Samsung. Mais aujourd'hui, le but n'est pas de remplacer, mais comme toujours, d'apporter au travers de nos produits et de ces innovations, bah, peut-être des possibilités supplémentaires. C'est toute la philosophie derrière ce Gear VR, derrière l'écosystème du Galaxy S7 pour nous. C'est de démontrer qu'avec des choses déjà existantes, le smartphone en l'occurrence, on peut aller faire des choses bien plus grandioses et vraiment aller au-delà de ce qu'on imagine. Et pourquoi pas, dans ces cas-là, imaginer qu'un parc d'attractions classique avec des vrais manèges puisse proposer des expériences augmentées, amplifiées au travers d'un Gear VR. Et il y a déjà quelques expérimentations, comme à Europa Park ou à Six Flags aux États-Unis, qui utilisent des Gear VR pour enrichir l'expérience de leurs utilisateurs. Oui, ça permet de proposer des attractions qui n'existent pas dans le parc en question. Exactement. Oui, on peut se trouver. Par exemple, les zombies, c'est pas évident à reproduire en vrai. Et là, c'est pas mal. Non, j'en avais jamais rencontré avant ça. Voilà. C'est bien. Et cette volonté donc de monter en puissance sur la réalité virtuelle, Guillaume, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est une vraie stratégie de la part de Samsung de croire vraiment cette technologie? Demain, on aura tous des casques sur la tête ou véritablement, ça n'aura de sens que pour certains usages? Compliqué aujourd'hui de dire exactement jusqu'où va aller la réalité virtuelle. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est au début d'un chemin, que ce chemin va plus vite que ce qu'on imaginait. Oui. Juste un chiffre peut-être pour illustrer tout ça. Aujourd'hui, en France, il y a déjà 70 000 personnes équipées d'un Gear VR. Ça en à peine plus de 3 mois. Et ça dépasse tous les chiffres qu'on pouvait imaginer. Donc ça va vite et on va utiliser le S7 Life Changer Park ainsi que tout le dispositif parce que c'est quelque chose qui va durer jusqu'à la fin de l'année, pas seulement au travers d'un parc mais au travers d'un tas de thématiques où on va aller démontrer à quel point la réalité virtuelle peut s'insérer dans des choses déjà existantes mais venir apporter une dimension supplémentaire. Alors pour les gens qui nous regardent, qui veulent s'essayer et qui veulent tester ce parc, on précise donc que ça se passe à Paris, je l'ai dit, à la Bibliothèque Nationale de France. Tout à fait. Mais il faut se dépêcher parce que c'est seulement pour 3 jours. Ça démarre demain, ça dure quoi? Samedi, dimanche? Ça dure vendredi, samedi et dimanche. D'accord. Et donc après, durant tout l'été, durant toute la fin d'année, il y aura certaines attractions qui seront mises en avant à certains endroits. C'est ça, dans des concerts, etc. Hein, exactement. Dans des festivals. Si on peut vous donner un exemple peut-être, puisque ça va être également une très grande première. La saison des festivals de musique commence et nous avons une association notamment avec le festival des Eurocaennes de Belfort et celui du Main Square Festival d'Arras, où pour la toute première fois, ils vont retransmettre grâce au Gear VR
en live ce qui se passe sur la scène des Eurocaennes de Belfort à Arras et vice-versa pour les Eurocaennes de Belfort. Donc les festivaliers n'auront plus à choisir la programmation. On sera sur les deux endroits en même temps. Exactement. Ouais. Et ce don d'ubiquité, c'est encore une des démonstrations que la réalité virtuelle va pouvoir apporter. Un concert en 360, ça doit être impressionnant. Hein, ça doit être sympa. On y est en fait. Merci beaucoup. On suit un concert, on en regarde un autre. Merci. Je vous en prie. Jérôme, on va rester dans la réalité virtuelle dans un instant. On va en parler puisque c'est l'une des stars évidemment de cette E3. On retrouve tout de suite Jean-Sébastien Zanqui qui va nous parler de l'E3 League Cube de Los Angeles. A tout de suite. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici au... j'oublie toujours le nom, comment ça s'appelle ? S7 Light Changer Park. Oui. Ouais. C'est un peu long, hein. Ils auraient pu faire un petit peu... Non, bon, enfin, bon, après c'est une question de goût. Hein. Bon, Jean-Sébastien. Oui. C'était pas mal, juste encore un mot à propos de ça, parce qu'on nous demande, est-ce que ça donne mal à la tête ? Non. Non. On n'a pas eu mal à la tête tout à l'heure. Alors moi, c'est pas que ça me donne mal à la tête véritablement, mais... Tu as vomi, c'est non, presque au rien. Bout d'un certain temps, non, pour être sérieux, deux secondes, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ce genre de sérologie. Et moi, typiquement, au bout de 5 minutes, je commence à avoir la nausée. C'est-à-dire je me sens un petit peu... Vous savez, comme quand on est en voiture à l'arrière et qu'on monte une montagne, une route de montagne. Ouais, d'accord. Un peu fragile. C'est ça. Non, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui sont plus sensibles bien que d'autres. Ah non mais toi évidemment t'es une espèce ouais, c'était impressionnant, une espèce de zombie. Le caterpillar du réalité virtuelle. T'as peur de rien. Cette semaine, oui. Los Angeles. Tout à fait, l'E3. L'E3, le salon du jeu vidéo. Et alors il s'est passé plein de choses. Et évidemment, c'est dans 01 Live qu'on débriefe le sujet. Ouais, il y a eu pas mal d'annonces. Du coup, notre collègue Aymeric Siméon est encore sur place d'ailleurs. Ouais. C'est pour ça que c'est moi qui viens en parler aujourd'hui un peu parce que bon, c'est un peu loin. Bah oui. Il n'est pas encore rentré. On le retrouvera d'ailleurs lundi soir pour un 100% gaming dédié évidemment aux annonces iCube. Lundi soir 18h sur 01 Net TV. Parenthèse refermée. Tout à fait. Et effectivement, il y a eu pas mal d'annonces de la part des grandes marques, on va dire, en tout cas au niveau matériel, chez Sony et chez Microsoft. Sony, par exemple, a enfin officialisé la date de sortie de son PlayStation VR, qui est donc leur casque de réalité virtuelle, on est en plein dedans. Ça sera le 13 octobre prochain. Il sera vendu $399, donc environ certainement la même chose en euros. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un catalogue de jeux qui va être vraiment compatible avec ce casque. Hein. C'est pas un casque qui sort sans jeu auquel on va pouvoir s'amuser. Donc il y a 50 jeux qui sont compatibles avec le casque et qui sont également d'ailleurs utilisables sans casque. Donc ça c'est intéressant puisqu'on n'est pas obligé d'avoir un casque pour pouvoir l'utiliser. Parmi ces jeux par exemple il y a Resident Evil 7 qui a été annoncé sur l'E3. Il y a Star Wars Battlefront. Ça c'est intéressant puisque on va se retrouver dans le cockpit de la navette à pouvoir regarder à droite, à gauche, ça comme si on était vraiment dans la navette. Ouais, donc là ça doit être... Exactement, un chasseur, tout à fait. Donc ça doit être vraiment... assez dingue à vivre. D'autres titres aussi comme Batman Arkham en VR et Final Fantasy XV aussi en VR. Donc voilà, il y a quand même pas mal de titres qui sont là. Et il y a aussi un accessoire supplémentaire qui a été dévoilé. Très bizarre. Voilà, c'est une sorte de pistolet avec une boule rose au bout pour faire plus sympa. Oui. Voilà. Et parce que les pistolets en ce moment, c'est pas. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, mais effectivement, pour les jeux, pour des FPS, ça peut être vraiment plus immersif que d'avoir une manette. Et pour l'instant, il est compatible avec un seul jeu qui a été annoncé aussi à l'E3, qui est Farpoint. Donc, ça va permettre de jouer à ces jeux de FPS un peu plus réalistes qu'avec une manette. Donc, ça sort d'ici Noël. Voilà, d'ici Noël, le 13 octobre. Tout à fait. Les précommandes étaient déjà ouvertes d'ailleurs depuis mars. Mais là ça y est, on a enfin la date de livraison et de commercialisation pour tout le monde. Donc ça c'est PlayStation. Ça c'est PlayStation du côté de PlayStation. Microsoft n'était pas en reste hein, puisque ils ont quand même présenté une nouvelle console, même si c'est pas une nouvelle génération. C'est un refresh quoi. Voilà, c'est un refresh de la Xbox One, c'est la Xbox One S, qui est. Alors c'est intéressant parce qu'elle est pour le coup plus petite, elle est 40% plus petite que la Xbox actuelle. Avec le transformateur intégré, donc on n'a pas besoin d'avoir un énorme boîtier en plus de la console qui va encombrer encore derrière son meuble télé. Donc là vraiment il y a une compacité qui est vraiment sympa. C'est dingue, en 3-4 ans on a fait vraiment de gros progrès en termes de miniaturisation. Ouais, c'est allé vite. Ouais. Effectivement, il rattrape aussi un peu le retard avec la PS4 qui était déjà un peu plus compacte dès la sortie. Alors elle sera compatible avec les vidéos 4K mais pas avec les jeux 4K. Les jeux seront des jeux HDR, donc il y aura une meilleure qualité d'image effectivement. Avec un peu plus de contraste, c'est un peu ce qui se fait notamment déjà
vidéo qu'on pourra avoir avec la Xbox One S. Je crois qu'il y aura aussi un lecteur Blu-ray 4K hein, dans cette Xbox. Oui, c'est ça. Et aussi, effectivement, il y a un processeur qui du coup est un peu plus puissant pour permettre sur certains jeux. Faire tourner la 4K. Alors, c'est en fait, la Xbox One était un petit peu prise en défaut par rapport au jeu PS4. C'est-à-dire que le jeu PS4 souvent tournait en pleine résolution, tandis que les développeurs étaient un petit peu obligé parfois de limiter certains jeux Xbox pour pouvoir s'adapter à la puissance de la console. Là, ça ne sera plus le cas, par exemple, avec celle-ci, puisqu'il y a un processeur AMD, un processeur graphique AMD qui a été amélioré. Et donc, il y aura vraiment les jeux en plein écran, enfin en pleine résolution, pleine définition, avec voilà, un framerate un peu plus puissant que ce qu'elle est, bon, qu'est-ce qu'elle est actuellement. Cette Xbox One S, c'est comme ça qu'elle oui, s'appelle. Oui, c'est ça, tout à fait. Elle sort quand? Alors elle va sortir fin août, oui. Voilà, et elle est commercialisée à $299 en version 500 Go, et il y a une version 2 Teraoctets qui est à $399, donc ça c'est à peu près équivalent aussi en euros. Et donc là c'est un petit peu la, on va dire, la première pierre de l'édifice Microsoft, puisque ils ont annoncé aussi le projet Scorpio. Alors voilà, qu'est-ce que c'est le projet Scorpio, Jean-Sébastien? En fait, c'est intéressant parce que ça va être une nouvelle Xbox qui sera en fait une Xbox Xbox One haut de gamme, c'est-à-dire la One S qui vient d'être annoncée sera en milieu de gamme et la Scorpio sera vraiment haut de gamme. Et là, pour le coup, ils ont vraiment sorti les grands moyens. Par exemple, il y a une puissance de calcul qui est de 5 teraflops. Alors, ça va peut-être pas vous parler, mais c'est l'unité de mesure des systèmes informatiques. Ça nous parle, ouais. Mais à titre de... On connaît plutôt les teraflacs en ce moment, vu ce qui tombe comme eau. C'est vrai. Partout. C'est mais les teraflops... C'est les flip-flops. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'à titre de comparaison, la Xbox One actuelle, elle fait seulement 1,3 teraflops. Donc, elle sera 5 fois plus puissante que la Xbox actuelle. Donc on pourra avoir des jeux en 4K. Alors voilà, donc les jeux là seront vraiment en 4K. Ça sera intéressant aussi pour la réalité virtuelle puisque ça demande beaucoup de puissance. Donc là ça sera intéressant de voir des jeux avec une belle définition avec cette puissance de la Xbox One, enfin du projet Scorpio, on ne saura pas le nom. Et effectivement, voilà, ces jeux seront complètement en pleine définition. 4K, on aura de quoi si on a un téléviseur compatible. Ça sera vraiment vraiment intéressant. Et dernière précision, les jeux, en fait, les accessoires seront compatibles sur l'ensemble de la gamme. C'est-à-dire, on va acheter un jeu pour sa Xbox One. D'accord. On pourra l'utiliser sur la projet Scorpio. Ça, c'est bien. Si on craque, c'est le cas sur les précédentes générations. Voilà. Et les accessoires, là, c'est la même chose aussi. Donc ça, c'est intéressant. Mais effectivement, la console adaptera la définition et les jeux seront développés pour que la définition soit différente en fonction de la puissance de la console. Mais dis donc, Jean-Sébastien, nouvelle console chez Microsoft et chez Sony, rien d'annoncé le masque. Chez Sony, pour l'instant, ils continuent sur la PS4. D'accord. Voilà, même si on sait qu'ils ont un projet de PS4 Neo. Hein, oui. Qu'on avait évoqué d'ailleurs sur Internet TV. Qui est dans les cartons, qui a priori peut-être arrive là en fin d'année. Mais ça sera effectivement un petit refresh de la PS4, un petit peu comme est la Xbox One S actuellement. Mais en tout cas, on ça sera pas à la Paris Games Week sans doute. Certainement, hein. Ouais, certainement. On a fait le tour pour oui, le 3. Tout à fait. Ouais, super. On vous rappelle que si vous nous prenez en cours de route, nous sommes en plein air aujourd'hui. Nous sommes dans un parc d'attractions virtuel. Yes. Signé Samsung, nous sommes au S7 Life Changer Park à Paris. Tu l'as bien descendu là, hein, ouais, franchement. Pas mal, je suis impressionné. Et on vous pose une question, la question 01net orange du jour. La réalité virtuelle peut-elle remplacer les parcs d'attractions? Voici la tendance, je pense que les parcs d'attractions ont encore de beaux jours devant eux. C'est non à 95%. Donc on s'oriente sans doute plus vers de la complémentarité dont on parlait tout à l'heure avec notre invité. Oui, mais c'est vrai qu'on n'aura jamais, alors même si c'est très sympa, mais si tu aimes un grand 8, ça sera vraiment dans un grand 8 que tu auras les sensations. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 ans. Ouais, mais c'est vrai, tu as raison, dans 15 ans, à mon avis, ça sera sans doute une toute autre histoire. On revient dans un instant, direction le Labo 01net, avec toujours Jean-Sébastien Zanqui qui sortira ses petits produits magiques de sa botte secrète. Et puis je vous rappelle le hashtag 01live, on est en direct, vous pouvez réagir avec nous ce soir. Il s'est passé plein de choses cette semaine, plein de nouveaux produits.
On a eu beaucoup de produits. Ouais. Voilà, des produits plutôt intéressants. Alors on a du Sony et on a du OnePlus. Tout à fait, c'est les deux gros smartphones là, qui sortent, qui se font l'actualité là, pour ce mois de juin. On peut commencer par le Sony qui est assez attendu parce que effectivement c'est une nouvelle gamme Xperia X. Mm-hmm. La gamme qu'on connaissait jusqu'à présent, la Z, ça y est mort de sa belle mort. C'est fini. Donc c'est le nouveau haut de gamme de Sony. Alors, c'est ça ? Ce modèle-là, non, le Xperia X. C'est le milieu de gamme. J'étais à côté du truc. Il y aura le Xperia X Performance qui devrait arriver là au cours de l'été, qui lui sera vraiment le modèle, le flagship de la nouvelle gamme Xperia X. Pour l'instant, le Xperia X, c'est un modèle avec un processeur un peu moins puissant. C'est pas compliqué, hein. Tout va bien. C'est toujours très simple à expliquer. Voilà. Alors, le Xperia XA, le X et le X Performance. Eh bien, dites-moi. Voilà, c'est simple. Bon. Ça donne donc celui-là. Plus mal à la tête que la réalité actuelle. Mais alors, qu'est-ce qui vaut ce Xperia X ? Alors, il est intéressant parce qu'effectivement, il reprend les codes de design déjà de Sony qui était quand même assez joli, avec un espèce de dos en aluminium très beau, avec des belles couleurs. Donc là, de ce côté-là, c'est vraiment une réussite. C'est intéressant aussi de voir que Sony sort un modèle avec un processeur un peu moins puissant que le célèbre Snapdragon 820 dont je vous parle tout le temps. Hein. Mm-hmm. Là, c'est un peu ton chouchou. C'est ton processeur préféré. Ah, c'est mon préféré. On peut dire, hein, tu dors avec. Je dors avec. Voilà, c'est ça. Il chauffe beaucoup en plus. Vous êtes paxé, on va dire. Hein. Il s'est paxé avec le Snapdragon. C'est beau, les amis, c'est beau. Voilà, donc ça, c'est vraiment une réplique de geek. Franchement, là, on est à fond quand même. Donc là, c'est un Snapdragon 650, c'est un modèle à 1,8 GHz, donc un peu moins puissant. Mais en fait, c'est intéressant parce que Sony a quand même réussi à avoir des bonnes performances avec ce processeur-là, ouais. Tout simplement avec l'astuce qu'on commence à connaître, c'est-à-dire avec un écran qui est seulement Full HD et pas Quad HD, donc qui demande quand même un peu moins de puissance. Et donc, en fait, c'est un téléphone avec lequel on peut jouer sans aucun souci aux jeux 3D ultra gourmand et ça tourne vraiment très bien, presque aussi bien qu'un téléphone très haut de gamme. Donc de ce côté là c'est très bien. On est par contre un petit peu déçu toujours avec Sony, c'est quand même quelque chose de fou sur la photo. Mais ça c'est incroyable. Sony fournit l'essentiel des capteurs photo des marques de smartphones. Ils font d'excellents appareils photo à côté des hybrides qui sont excellents. Et en smartphone, ils y arrivent. Ils sont toujours un petit peu à la traîne. Alors c'est pas du tout affreux, hein, mais oui. Ils sont par rapport à, ben, on est chez Samsung aujourd'hui, par rapport à du Galaxy S7 ou S6. Est-ce que c'est pas une volonté justement pour ne pas aller non, parce qu'en fait, il y a aux ventes d'appareils photo traditionnels. Je pense pas, parce que là ça nuit plutôt aux ventes de leurs smartphones. Ouais, oui, ouais, il y a une balle dans le pied. Voilà, quoi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la bataille se fait sur les exactement, smartphones. Il y a un vrai souci encore pour l'instant de traitement d'image en fait, parce que c'est toujours un petit peu, on sent que c'est très lissé, que voilà, il se traîne un petit peu en termes de. Alors l'autofocus est très rapide, ils ont un nouveau système d'autofocus qui est très bien. Par contre, dès qu'on prend une photo, ça déclenche tout de suite, mais ça prend encore une seconde derrière pour traiter l'image, donc on ne peut pas faire de rafale là, comme ça tout de suite. Il y a encore ce petit souci de photo chez Sony qui est difficilement explicable, et ça serait bien que la marque, à un moment, prenne les choses en main et voilà, montre leur savoir-faire là-dessus, quoi. C'est vrai que c'est quand même un peu incompréhensible. Qu'est-ce qu'on a comme message sur le hashtag 01Live ? Oui, tout à l'heure on parlait des teraflops, là c'est quand même beaucoup. C'est 6 teraflops, nous dit en fait Mir Soldo, et non pas 5. Donc, j'ai dit 5, oui, d'accord, 5, c'est 6. Bah, non, tout à fait. On a un spécialiste du teraflop qui nous suit. Mais c'est tout à fait, c'est 6. Oui. Voilà, c'est Mister Teraflop, d'ailleurs on va l'appeler tout comme à fait. Ça. Donc, travaille à teraflop.com. Voilà, un site qui cartonne, mais qui ne fait pas de flop, je crois. Non, ça c'est là. Allez, on enchaîne avec un autre smartphone. Elle est gratuite. Qui... Okay. Elle est cool. Oui, on ne va pas la faire payer quand même, celle-là. Okay, c'est bon. Le OnePlus 3. Alors là, en revanche, parce qu'on est chez Samsung, donc il faut quand même qu'ils attendent à ce qu'on dise du bien d'un smartphone. Tout à fait. Alors là, pour le coup, effectivement, OnePlus n'a pas la force de frappe marketing commercial de Samsung. Mais en revanche, en termes de construction et de conception de smartphone, ils font très fort. Parce que le OnePlus 3, là, qui vient d'être annoncé, c'était mardi. On l'a eu en test en avant-première. Et effectivement, il est incroyable. C'est-à-dire que c'est le smartphone le plus puissant qu'on ait jamais testé au labo de 01F.com. C'est pas possible. Tout simplement. Voilà, c'est là, pour le coup, il a le Snapdragon 820. Ouais. Qui a 2,2 GHz. Mais ça sert à quoi ? Ok, alors il a plein de pétaflops peut-être, mais pétaflops. On fait quoi ? Jérôme, on est au teraflop. Les pétaflops. Non, mais ça moi sera je suis de là. Années. Je suis dans le. Je suis déjà. Non, mais ça permet ça avec 6 Go de RAM. Il a 6 Go de RAM alors que les autres smartphones haut de gamme en ont 4. Et la batterie, elle doit mourir en 10 minutes. Eh ben non, puisque effectivement, alors.
pour le coup, Samsung va être content. Il est un peu moins performant en autonomie puisqu'il fait 7h27 en autonomie polyvalente, tandis que 7h derrière, là, ils font pouce vert. Ils sont contents. mais il est meilleur que les autres HTC 10, pardon, LG G5. Il est meilleur en autonomie. Et effectivement, vraiment, en termes de puissance, il est hallucinant. C'est lui qui fait les meilleurs scores en images par seconde sur les jeux, par exemple. Il bat le S7. D'accord. Et là aussi, c'est toujours en même temps, c'est un smartphone de geek, donc il faut qu'il cible. Alors, c'est un petit peu un smartphone de geek, effectivement. Mais il commence à s'ouvrir puisque c'est le premier OnePlus qui n'est pas vendu sur invitation. Vous savez, maintenant, vous avez jusqu'à présent, vous avez un système d'invitation pour pouvoir l'acheter. On devait être parrainé par quelqu'un qui l'avait déjà. Là, ça y est, il s'ouvre vraiment à tout le monde. Donc tout le monde peut aller l'acheter. Et surtout. Il n'y a plus de file d'attente. Non, il n'y a plus de file d'attente. Hein. Là, si vous voulez l'acheter, voilà, vous pouvez y aller sans problème. Combien il coûte ? Et voilà, et c'est ça le et là, truc. Attention Jérôme, là tu vas te prendre un pétaflop dans la figure. Je vous rappelle, c'est le smartphone le plus puissant qu'on ait jamais testé, design très sympa, bel écran 5 pouces et demi, il coûte 400€. Donc c'est-à-dire que c'est presque moitié prix de modèles haut de gamme. Donc c'est difficile de pas craquer si on cherche un smartphone grand format. Il est quand même c'est une super affaire. Enfin, en termes d'OS Android. Donc alors c'est Android avec leur surcouche cyanogène qui est un petit peu particulière mais qui est vraiment très bien faite. Donc là-dessus, mais après on a accès au Play Store avec toutes les applis Android. Bien sûr, tout à fait. Et donc on peut le commander que sur le web. Hein. C'est Ça pour le coup c'est. Là, je pense que là le vendeur te donne un paquet de cives. Mais non, d'ailleurs il y a Aurélien qui nous dit ce que tu disais à l'instant, c'est qu'ils n'ont pas de moyens pour faire de la publicité. C'est une toute petite entreprise. Une notoriété. C'est une entreprise de Hong Kong qui est toute petite, il y a quelques dizaines d'employés. Enfin, c'est pas une entreprise incroyablement grande comme peut l'être Samsung ou Apple, ça c'est clair. Voilà, pour le OnePlus 3, et on va terminer avec un casque que vous allez peut-être emporter pour vos vacances, surtout si vous prenez le train ou l'avion. C'est le prochain Bose. Alors franchement, moi, il me fait rêver ce casque-là. Oui. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais je pense qu'il doit être pas mal. Mais toi, t'es un peu casco-maniaque. Moi, je suis casco-maniaque. J'ai pas dit casco autre chose, hein. J'ai dit casco-maniaque. J'ai eu peur aussi. Je me suis dit, attends, mais quand même, tu vas pas sortir un gros mot. Non, mais c'est vrai. Je suis casco-maniaque. On peut révéler que c'est l'un de tes péchés mignons, c'est les casques. C'est vrai. Il les consomme comme Jean-Sébastien. J'ai une étagère de casques chez moi. Il y en a d'autres qui ont des talons hauts. Moi, c'est les casques. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, c'est les filles, mais chacun ses trucs. Tu mets les filles sur les étagères. Écoute, alors là, c'est pas ce que je voulais dire. Tu les dégoûtes. Alors on enchaîne. C'est ça ? Il est bien ce Bose. Il est assez incroyable. Je pense que tu vas adorer François quand tu vas le tester. Du coup, c'est l'évolution du QC25 qui existait, donc le casque anti-bruit de Bose. Qui existait avec un fil avant, c'est ça ? Voilà. Hein, donc c'est le Quiet Comfort. Quiet Comfort, voilà. Et là, c'est le QC35 qui arrive, donc anti-bruit et enfin Bluetooth. Depuis le temps qu'on attendait. Voilà, ils ont quand même fait enfin ce casque-là. Le design est relativement similaire, à ce qui était fait sur le précédent, avec une batterie intégrée qui tient. Alors c'est annoncé 20 heures, on la mesure au labo, elle a tenu 22 heures. Donc là-dessus, on n'est pas obligé de la recharger tous les soirs. La réduction de bruit est toujours aussi performante. Pour le coup, là, les casques anti-bruit, j'en ai testé des tonnes. Bose reste clairement un cran au-dessus par rapport à la concurrence. C'est eux qui ont inventé le système, il n'y a pas de secret. Oui, donc, système d'annulation de bruit est très évolué. Voilà, c'est-à-dire donc ça va reprendre. Je trouve assez joli. Hein. Il est très joli, il est très sobre, il existe en argenté aussi. Il a l'air en plastique, mais en fait c'est du métal. C'est du métal, c'est du métal. Le toucher, tout à fait. Tu verras tout à l'heure quand il va donner le prix, tu vas voir. Gardons ça quand même pour la fin, pour son plaisir. En termes de qualité d'écoute, quand même, le son c'est important. Le Bose, on peut la reprocher pendant un moment d'avoir beaucoup de basses, c'était parfois un petit peu pénible, c'était pas très fidèle. Avec le QC25, il y a un effort qui avait été fait déjà. Là, il nous entend plus, tu vois. Ça, voilà, c'est bien. C'est bien, on peut dire n'importe quoi. Bon, voilà. Là, il y a encore un cran supplémentaire en termes de son. Il y a un détail qui est vraiment excellent. La stéréophonie est encore améliorée. Mm-hmm. Donc, on a vraiment une belle image sonore. Franchement, c'est un casque presque parfait. Quoi. Bon, alors on passe à la caisse. Là, c'est vrai, attends, juste test en direct parce qu'il y a une espèce de ronflette. On est en plein air, on entend un peu des voitures, des moteurs, etc. Tu mets ça. Tu es plongé dans un océan de zénitude j'entends très bien ta voix, évidemment. Ça marche très bien pour justement les bruits de fond, les bruits d'avion, les bruits de train, c'est parfait. Entendre les consignes qu'on a. Le procédé n'est pas nouveau, mais on est toujours bluffé. Tout à fait. Donc le prix, attention. Mesdames et messieurs, 380€.
Voilà, c'est un casque très haut de gamme, il n'y a pas de secret. Le prix du OnePlus. C'est le prix du OnePlus. Donc si vous avez 400 euros, soit vous achetez un OnePlus 3, soit un QC35. Voilà, au choix. Parfait. Eh bien, merci Jean-Sébastien. Merci à vous. Et voilà, c'était les échos du Labo 01net. Avec, vous le savez, le Labo 01net, tous les jours, une vidéo différente pour découvrir tous les tests de ce labo. Jérôme, on va se dire au revoir, mais auparavant, un mot quand même sur notre question 01net Euro. La réalité virtuelle peut-elle remplacer les parcs d'attractions? Eh bien, ça a un petit peu progressé en faveur du oui, à 9%, mais 91% d'entre vous pensent que non. Les vrais roller coasters ont encore de beaux jours devant eux. Oui. Mais comme tu disais tout à l'heure, on verra ça dans 15 ans. Ah ouais. Je pense que ça peut changer la donne. En tout cas, tiens, si vous êtes du côté de Paris, n'hésitez pas à venir ici. C'est vraiment très sympa. Il y a une bonne ambiance. En plus, il y a des food trucks. Je sais que Jérôme, tu les as repérés tout à l'heure. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Mais ils sont là. Et puis, ça peut servir s'il fait beau ce week-end. Voilà, ça peut être sympa. Comme ça, vous testez un peu toutes ces... Venez essayer, c'est assez étonnant. C'est gratuit. C'est réalité virtuelle. Hein, c'est gratuit. C'est confirmé. Ah, c'est complètement gratuit. Évidemment. Évidemment. Ouais. Non, c'est très cool. Voilà, au parvis de la Bibliothèque nationale de France, donc la bibliothèque François Mitterrand dans le 13e arrondissement. Pardon, qu'est-ce qu'il y a, JD? C'est lundi. Qu'est-ce qui se passe lundi? Non, il y a quelque chose qui se passe lundi. Oui. Que tu dois annoncer. Merci, le monsieur te demande. Merci beaucoup. Oui. D'annoncer le truc de lundi. Voilà, donc lundi soir, 100% gaming, le numéro 2. Vous savez, c'est le nouveau rendez-vous dédié au gaming de 01net TV avec Aymeric Siméon. Et puis, nous aurons le rédacteur en chef de Jeux Vidéo Magazine qui sera là. Et on commentera avec eux toutes les annonces de l'E3. Et crois-moi, il y aura 2-3 trucs à dire quand même. J'imagine. Lundi soir, 18h sur 01net TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce replay si vous avez raté le début. Merci à Samsung de nous avoir accueillis. On le répète, merci à Jean-Sébastien. Merci à vous. Et puis bien sûr, merci à Jean-David Duarte et Thomas Remiret qui étaient aux manettes. Voilà. C'est jamais facile de faire un live en plein air. Donc on les salue d'autant plus. Voilà, et on se rend compte que le matériel de 01net TV est complètement waterproof. Ça, c'est cool. c'est une bonne nouvelle. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et on se retrouve très vite sur 01net TV.